Allez, pote, bonjour. Aujourd'hui, c'est Ricou. J'espère que tout le monde va bien. Et que ça va bien. D'abord, aujourd'hui, on va se retrouver donc pour deux autres produits de BioConcept. Je vais vous faire les recettes. Et puis, on goûtera ça dans 6 jours à peu près. Et j'ai eu une remarque d'un de mes abonnés qui m'a dit donc sur la vidéo que j'avais faite sur la présentation de la smoke. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que c'est une vidéo qui est pourrie, excusez-moi du terme. Je l'ai complètement loupée. J'ai voulu le faire avec ma cam, mais c'était pas bien ça. Mais enfin bon, je l'ai postée, je vais la laisser. Donc la smoke alien de 120 watts, j'ai dit à un moment donné qu'il ne fallait surtout pas la brancher en USB. C'est faux. Vous pouvez, mais bon, les accus dureront bien moins longtemps. Pour ceux qui n'ont pas de chargeur, peuvent très bien le charger directement en USB. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire. Vous pouvez, mais vos accus tiendront bien moins longtemps. Normalement, il faut le faire avec des chargeurs. Mais ceux qui n'ont pas de chargeur peuvent très bien l'avoir avec ça. Entre parenthèses, je suis toujours autant content de ma smoke. Voilà. Et je remercie à mon abonné qui me l'a fait remarquer. Voilà. Donc maintenant, d'ailleurs, il y en a un autre qui m'a dit que c'est dommage, on ne voyait pas si ça va plus bien. Eh bien, regardez. À 30 watts. C'est de l'enfer. Alors, si je monte à 40, à 50, alors allez, on va s'amuser un petit peu avant de commencer à faire là, la vidéo. 55. Allez, je suis à 55. Vous allez voir ça. 55. Hein? Elle vape, elle vape. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà. Donc moi, généralement, je ne me mets pas à 50, je me mets bien à 30 watts, j'aime bien. 30 watts, ça me suffit. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne vous embête pas mieux avec ça. Nous allons commencer. Voilà. Donc la vidéo. Donc les deux produits. Donc toujours de la collection Street Art de BioConcept. Le premier que nous allons faire, c'est le Queen. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi encore pour la prononciation. Alors, c'est un mix de fruits jaunes avec une note douce et acidulée. Déjà, quand vous l'ouvrez, ça sent le fruit jaune. Il n'y a pas de pétard, ça sent le fruit jaune. Allez, 50 gouttes, c'est parti, on est parti pour 50 gouttes. 1, 2. Voilà, 50 gouttes. Ça sent très très bon. D'ici, je le sens magnifique. Donc, je mets mon MVGPG en 1,5 2 mg de nicotine. Je me remplis ça. Et voilà. Et il manque plus qu'à le laisser macérer. Magnifique. Magnifique. Voilà. Petit poisson. Oh, il y en a un petit peu. On en voit un petit peu. Ça sent super bon. Sans déconner, ça sent vraiment bon. Voilà, donc, le premier, il est fait. Maintenant, nous allons faire le second. Le second, ah, il est plus facile à dire celui-là. Le graffiti. Alors, le graffiti, oh, c'est un mixte de bananes, de fraises et de vanille. Déjà, il a de très belles couleurs.
Et ils sentent très très bon. Pareil, 50 gouttes. C'est bien ça? Oui, 50 gouttes. C'est parti pour 50 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Gouttes, mais c'est magnifique comme ça sent bon. J'ai hâte, sans déconner, de les essayer parce que. Allez, on met la base. Hop là. Voilà, ça sent vraiment bon. Voilà. On remue un peu de déco. Moi, j'ouvre toujours, parce que j'aime bien ressentir. En principe, ça coupe un peu le goût. Mais ça y est toujours. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, j'ai fait ces deux produits. Voilà. On va les laisser macérer pendant 5-6 jours. Les autres, c'est les premiers que j'ai faits. Je pense que je ne vais pas tarder à vous les présenter, parce qu'il faudra que je regarde. Un petit coup de vape, allez, pour la route. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Une chose que j'ai pas pris, n'oubliez pas ça. Oui, je les avais préparés, j'ai oublié de les mettre. Enfin, voilà. Hein? Magnifique. Donc voilà, je vous ai présenté ces deux produits. Il m'en reste plus que deux à vous en présenter de la collection Street Art de Bioconcept. C'est une arôme premium. Donc n'oubliez pas le Crave. Et le graffiti que je viens de vous faire. Voilà, c'était Eric Ouvap. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Vous abonner à la limite à ma chaîne. Partager. Ça serait super sympa. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce soir, je ne pense pas faire un live. Je verrai bien. Je vais vous poster tout ça. Et puis, n'oubliez pas de mettre des j'aime. C'était Eric Ouvap. Passez une excellente journée.